Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour la suite de notre aventure, de notre réaventure, évidemment sur Until Dawn. Nous sommes actuellement live sur twitch.tv/mrbboy45, toi-même tu sais, du dimanche au jeudi compris, évidemment, de 19h jusqu'à pas d'heure, et on se fait plaisir. On en était à l'épisode 4 ou 5, je ne sais plus exactement, ça dépend comment je vais faire la découpe. Let's go! On reprend où on en était, et précédemment dans Until Dawn. Attendez, on va même mettre plus fort. Une personne en particulier retient toute notre attention. Il a des antécédents intéressants avec la famille Washington. Il les aurait mis en garde contre la poursuite de leur projet de construction au milieu des pins de Blackwood, et disait que cette terre était sacrée pour ses ancêtres. S. O. E. Sœur ? Demande-lui la sœur de qui ? Josh, ça doit être... De quelle sœur il s'agit alors ? Ah ! Go ! Ah ! Ah ! Ah, la vache ! Vache ! Ah oui, c'est vrai que je lui avais montré comment je faisais mes biceps et elle s'est fait embarquer. Bon, moi tu m'embarques comme ça, je suis mort. Je suis mort parce que déjà je passe pas la fenêtre de la porte. 7 heures jusqu'à l'aube. Ok. Allez, concentration. Oh putain. Ok. Oh putain, faut pas que je me foire. Faut pas que je me foire. Ok. Oh putain. En plus, oh là là, le temps il est de plus en plus chaud. Mais le carré il a duré une seconde. Heureusement que je suis monstrueux. Oh, il est ridicule par contre quand il court comme ça. Oh non, il va le faire. Quoi? Ok. Eh, hey, je dois tirer? Je dois pas tirer? Les potes? Je dois tirer ou pas? Vite, 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 je sais pas. Sauter? Oh non. Vous m'avez dit d'aller au plus vite, hein. Ok, parfait. Je suis un monstre. Une sous-jarbe. Ah, oh là là, mais le temps de réaction. Les gars, on a vraiment peu de temps des fois. Hein. Ça, regardez là. Une seconde et demie, deux secondes max. Eh, ça rigole pas. Hein. Sauter. Pas le time. Ici, c'est les grosses balls. Wow. Attendez. Si je foire un truc, je meurs. Mon seul point faible, une branche. Oh là 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 là. Je suis un monstre. Allez, allez. Tu peux le faire, Mikey. Ok. Donc ça, je l'ai jamais vécu, parce que, souvenez-vous, dans le Let's Play YouTube, Jess était morte. Enfin, même moi, je m'en souviens pas, c'est vous qui me l'avez dit. Par contre, il l'a traîné trop trop vite, wesh. Mais regardez. Frérot, c'est quoi, c'est un loup-garou, quoi? Regardez comment je fais mes biceps. Jessica, j'arrive. Attends. J'arrive. Y'a rien. Ok. Là, ça veut dire qu'elle est sauvée? Elle est sainte et sauve?
Ah. Jessica, j'arrive, mais attends, je ramasse un totem. On sait jamais. Alors, que se passe-t-il? Bon chien. Jess, c'est toi? Alors, attendez. C'est un totem du conseil. Donc, peut-être caresser le loup, je sais pas, pour la retrouver, ou... Là, les gars, ça, c'est de l'exclusivité monde 7 ans après, hein. On l'a jamais vécu, hein. C'est tellement de l'exclusivité monde que... Regardez! Vous voyez? J'ai tellement entraîné mes bras qu'ils tremblent maintenant, regardez! Ah ouais, mais c'est ça de faire de l'exercice! Maintenant, mes biceps sont surdéveloppés! J'ai vraiment un problème au bras. Hein. Jessica! Ah non, d'accord. J'arrive, biche. Tout va bien se passer. Oh non! Jess! Dis-moi ce que tu vois! Ok. Là, ils auraient pu caler un petit. Non! Oh! Quoi? Non, Jessica! Bah, les gars! Oh putain! Ah non! Oh là 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 là! Tu vas bien? Oh là là, refais plus ça, bibiche! Ouais, c'est fait à mon chien. Non! Elle est morte. Quoi? C'est quoi ce bordel? Mais attends! Attends. Là, elle a plus de colonne vertébrale, on est d'accord. Ou elle est morte, en fait. Non? Parce que si tu survis à ça, je veux bien la marque de ta doudoune, hein. Oh, 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 prudent ou rapide? Prudent ou rapide? Encore rapide ici? Ça change rien. Fonce, t'es un pro. Je sais pas si ça m'aide beaucoup. Allez, rapide, vas-y, on est des professionnels ici, il a raison, wesh. Ah, je suis un pro MLG, moi. Wouh! Qu'est-ce qu'il y a? Vrai bonhomme fait des abdos. Je monte qu'avec les pecs. Allez, viens par là. Je sais pas, longer peut-être. Non, on va pas prolonger à l'infini. Okay. Oh putain. Okay. Ok. Oh, merde. Le voilà. Attends. Je tire sur ce... Non, je devrais pas tirer, hein. Wap, je tire. Mais non, c'est quelqu'un en doudoune, mais pourquoi il marche tranquille dans une cave? Il a... C'est pas vrai. Ah ouais, ça change rien? Ah merde. Cette saloperie est bloquée. Ah bah d'accord, ok. Ok, bah si j'avais tiré, elle aurait été bloquée aussi, je suppose, c'est ça? On s'en fait y arriver. Cascade! Oh, on trouve des lampes partout, incroyable. Oh non, c'est là où je peux mourir. Hop. Je me souviens plus de la majorité du jeu parce que mon ref, Jess était déjà morte il y a 7 ans. Et en plus, en 7 ans, j'ai joué à plus de 100 jeux différents, alors évidemment que je me souviens pas de pas mal de points. Ouais, je sais pas, hein. Bel endroit. Ok, il y a une demeure cachée. Putain. Qu'est-ce que...
Oh. Ok. Oh non. Ashley! Ash. Ash. La porte est fermée. Rentrons à la maison. Ok. Du sang. Je reconnais. Encore les règles d'Ashley. Bon. C'est pas bon du tout. Elle en a foutu partout. Ok. Ah okay. Quoi ça? Wesh, y a des corbeaux, mon ref. Corbeau dans le couloir. C'est quoi ces conneries? On peut pas prendre le giga cut là? Oiseau de mauvaise augure, les gars! Très belle salle à manger, je reviendrai. Alors! Encore des pertes menstruelles. Oh merde, non. Non. Ça commence à faire beaucoup. Pour une seule personne. Wouah, la porte, wesh. Encore un courant d'air. Alors attendez. On va descendre. Un chemin obscur. Il est temps de l'emprunter et de montrer ma virilité aux yeux du monde entier. N'hésitez pas à me dire hein, s'il y a un petit totem que je peux louper. J'aimerais bien qu'on ait le film en entier à la fin. Encore des traces de sang, non? Attends, c'est quoi? C'est du sang là au sol? Ashley! Ah non, c'est des traces de traînée. Si je puis me permettre. Oh! Est-ce qu'il y a quelqu'un, Ashley? Vous savez, ce qui me tracasse, c'est qu'il a la voix de Martin Matin. Va à gauche au lieu d'aller tout droit. Ouais, mais il y a quoi tout droit? Parce que la logique voudrait qu'on aille à gauche. Vu que la traînée mène à gauche. Ah! Mais bordel! Bah alors, les gars, mais qui laisse traîner un épouvantail ici? Qui ferait ça? Bah je sais, je me pose la même question, Chris, tu vois? Ça va, frère? Alors, les gars, je vous le dis très honnêtement, hein, c'est même pas que ça soit un clown, hein. Ils auraient pu mettre n'importe quel masque. Je me serais chié dessus tout autant. Hein. Très bel épouvantail, par contre. Ça se voit que ça a été fait avec amour. Un totem. Laissez-moi regarder cela. Ouais, ouais, je reconnais, ouais, c'est mes jambes. Un totem de mort. Oh, j'ai loupé deux totems ou ça va en vrai? Par contre, ça, c'est les jambes de... De je ne sais pas qui. Je vais pas faire genre. J'ai aucune fichue idée. Oh merde. Indice. Une tête de cochon. Sacré cochon, hein, putain. On dirait qu'il nous regarde, frère. Bizarre. Un épouvantail et un cochon. Très étrange. Attends, y a rien là-dedans, frérot. Il est stylé quand même. Hein. Ça, c'est par rapport à ce que j'ai rempli chez le psy, je suppose, non? En vrai. Oh putain. Va pas bientôt y avoir les cerfs là qui vont faire un face to face. Attendez les gars.
Il est temps de se remémorer deux, trois petits trucs. Deux, trois petits trucs. Dans les totems, ça, on l'avait pas vécu, ok. Donc, caresser un loup. Une roue, ok. Le fameux piège à loup où on met deux doigts, faut éviter. Ça, on l'a vécu. J'ai mal. Ça, on l'a pas vécu, ou peut-être vécu mais échappé. Ça, on l'a pas encore vécu, ou peut-être vécu et échappé. Danger, ça, ça va être dangereux. Patate dans le nez, ça a été dangereux. On l'a vécu, et là, la chance. Elle se relève totalement à Walp. Ok. C'était pour faire un petit récap de tout ce qu'on avait trouvé. H. Quoi? H. 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 Mon Adekari préféré! Ok. H. Arrête, je t'en supplie. Arrêtez de toujours crier les prénoms quand vous courez après quelque chose. C'est insupportable. L'autre, il savait dire que Jess. Lui, c'est dire que H. Elle te répondra pas! Au pire. Au pire, tu dis à quelqu'un! La logique voudrait qu'on aille dans le cabanon, mais est-ce qu'ici il n'y aurait pas un truc à chercher? Oh, what the fuck, les amis, c'est moi, David Lafarge. Tu m'as reconnu, tu m'as peut-être vu sur une avenue. Un totem. Oh, une tortue. Ok. Ça me rappelle étrangement la petite Abby. Abby. Si, elle s'appelait Abby. Ok. Donc, une perte. Je lui fais perdre la tête. Son copain à toi, c'est moi. Ok. Ils aiment bien couper des têtes, le studio, là, derrière ces jeux-là. Après, j'avoue, une tête qui tombe de temps en temps, ça fait pas de mal, quand même. Hein. Ça rappelle que la vie, ça va vite. Hein. Ok. Ah, oiseau de mauvaise augure, les gars. Bonsoir. C'est par ici, la fistinière? Oh, ok. Y a quelques... D'accord, sûrement un courant d'air. Pas de quoi paniquer. Ash, je suis là. T'es où? J'en sais rien. Tu vas bien, mec? Qu'est-ce qui s'est passé? Pitié, aide-moi. J'arrive, Ash. Continue à me parler. Qu'est-ce qui s'est passé? Chris, ah! Eh bien. Chris, t'es là? Bonjour, et merci de m'avoir rejoint. Ce soir, nous avons mené une petite expérience. Je m'en souviens, ça se la joue à l'assaut. Pour cette expérience, nous aurons besoin de la coopération de nos deux sujets, Joshua et Ashley. Mais nous avons besoin d'un autre participant pour nous aider à décider quel sujet vivra et lequel mourra. S'il vous plaît, calmez-vous un peu. C'est pourtant très simple. Christopher, tu verras un levier placé en face de toi. Tout ce que tu as à faire, c'est choisir qui tu veux sauver. J'espère que la lame, elle a été désinfectée pour éviter le tétanos. Hey mec, mon pote, il faut qu'on réfléchisse à ça une minute. Chris, je veux pas mourir. Juste une seconde, j'y arrive pas. Ashley, je vais te tirer de là, je vais pas te laisser mourir. Non, pitié, non. C'est pas possible, c'est dingue.
de pas, Ashley. Pourquoi je dois me battre, Chris ? Je t'en prie, dis-moi qui va bien. J'arrive, Ash. Je vais te faire descendre. Chut, arrête. J'avais choisi qui dans le let's play ? Allez, il faut te sortir d'ici. Non. On doit partir, ok ? La même ? Attendez. Josh, il est pas vraiment mort là. Est-ce que ça va ? Chris, qu'est-ce qui s'est passé ? Josh, quoi, vieux ? Il est mort ! Oui, hein. J'ai okay. Devant nous, putain ! Mais de quoi tu parles ? Il y a un cinglé ! Un cinglé ? Oh putain, on doit se casser d'ici. Je comprends pas ce qui s'est passé. Il y a un cinglé ! Chris ! Il avait dit ! Et c'était lui, moi, je savais pas quoi c'est faire ! C'est pas vrai ! On a traversé ce giclé, il saignait de partout ! Quoi ? Mais c'est pas vrai, Chris ! Je l'ai tué ! Oh non ! Je l'ai tué ! C'était ma faute, là ! Non, c'est un truc de dingue. Il faut qu'on aille chercher de l'aide. Je l'ai découpé en deux ! On va découvrir ce qui s'est passé. J'en sais rien, j'en sais rien ! Matt, on doit y aller maintenant. J'en sais rien. Chris, elle a raison. On sait pas qui sera le suivant, alors on doit filer. Ouais, c'est la seule chose à faire. On cherche de l'aide. Non, tu veux juste sauver ta peau. Évitez le spoil, les gars, non, dans le chat, quand même. Je veux juste pas prendre de décisions foireuses qui feront tuer tout le monde. S'il vous plaît. Tu rassembles les autres si tu veux. Pour moi, ceux qui suivront, calme. Avec Matt, ok ? Ok. Les fâches chez le psy, c'est trop stylé. Bonjour. La tension a monté d'un cran, n'est-ce pas ? La nuit se déroule-t-elle comme vous l'espériez ? Ça se passe bien. Bah... Je vois. Et pensez-vous que ces pauvres gens méritent ce qui leur arrive ? Qui êtes-vous ? J'essaie de vous aider. Ce jeu auquel vous jouez, vous comprenez qu'il ne vous fait pas du bien. Il ne fait de bien à personne. Et je ne vous trouve pas spécialement franc dans votre façon de jouer. Il est en train de s'énerver comme si mes choix étaient corrects, hein ? Ou peut-être qui sait que je suis aidé du chat ? Continuez à vous comporter avec autant de complaisance. Et croyez-vous que moi, je suis bien réel ? Ah, c'est le cœur du problème. Tout tourne autour de cette question. Arrivez-vous encore à faire la différence ? J'en doute. Putain, vraiment, c'est vraiment stylé, hein. Ah, je kiffe. Je vous le dis, je kiffe. Et on va s'arrêter là pour cet épisode, évidemment, pour YouTube. On reprend et on continue directement en live. Pas de panique, évidemment, Twitch, vous inquiétez pas. Et je vous fais des bisous, n'oubliez pas de j'aime et le commentaire YouTube.